Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un haul action et ensuite je ferai une deuxième vidéo pour vous faire un haul nose. Voilà, je vais essayer de faire voilà en deux parties pour pas faire des grosses vidéos. Alors, j'ai trouvé des petites bricoles, des petites nouveautés. Alors, je vous montre ce qui n'est pas scrap simplement. Juste voilà, j'ai repris des friandises pour mes chats. Mes chats adorent, c'est à 1,39 €. Et voilà, quand ils voient juste le paquet, les deux sont folles de ces friandises. Ce qui n'est pas scrap que j'ai trouvé, alors c'est allez, je vais y arriver, des petites poches à douille. Il n'y a pas la douille dessus, c'est les poches pour pouvoir faire les pâtisseries, comme ma fille adore pâtisser. Voilà, poche à douille. Il y en a 8 dedans. Elles sont assez grandes, j'ai regardé. Enfin, elles sont assez costauds. Et là, pendant les vacances, elle risque de faire des choses, même pendant les vacances de Noël. Du coup, j'ai pris, alors c'était 99 centimes. J'ai trouvé ça, voilà, sympa. Comme j'en ai pas de poche à douille. J'ai pris, ouais, je l'ai vu, mais il était tout seul. C'était dans le rayon avec les chamallows. Et ensuite, voilà, j'ai repris des chamallows à 0,79 centimes. Alors, ça, c'est pas scrap. Ensuite, j'ai trouvé dans le rayon Noël à 1,49 € une petite coupelle en forme d'étoile. L'année dernière, je les avais pas pris et je les avais regrettés. Là, je m'en suis pris deux. J'ai trouvé vraiment sympa. Et ensuite, petite idée cadeau assez sympathique à mettre dans la chaussette, par exemple. Moi, chose que je vais faire. À 1,89 €, un petit savon. Alors, il y avait plusieurs sortes de petits savons comme ceci. Alors là, il y a la petite luge. J'ai trouvé ça original. Il y avait des petits savons sans la luge avec un petit bonnet. Et après, il y avait des sapins en tout doux là. Et il y avait trois sortes, il y en avait vert et bleu, je crois. Vert et blanc, je sais plus. Moi, j'ai pris voilà, les luges. Voilà, et je vais glisser ça dans la chaussette de mes filles. Ça va bien rentrer en plus dedans. Je vais la pacoter. Ça fait des petits cadeaux en plus. Mes filles, elles aiment bien les petites attentions comme ceci. Voilà ce qui n'était pas scrap. Maintenant, on va passer au scrap. Alors, nouveauté. Ah non, il y avait ça aussi qui n'est pas scrap, qui est gourmandise à 0,99 centimes. J'en ai pris deux paquets. Alors, ça, j'avais pas vu. Enfin, j'avais jamais fait attention. C'est des cuillères en chocolat. 6 cuillères, il y a dedans. Et c'est assez sympathique. Et je vais... Voilà, pour Noël, je commence à me préparer les choses pour Noël. Pour servir le café, je mettrai une petite cuillère en chocolat avec des petits chamois à leur côté. Ça fera sympa. Voilà, j'en ai pris deux paquets. Voilà, pour moi, c'est une nouveauté. J'avais jamais vu. À 99 centimes. Après, le chocolat, je ne sais pas s'il va être bon. Pour ce chocolat noir, aucune raison qu'il soit pas bon. Le chocolat avec le café, ça passe toujours. Voilà, ensuite, j'ai repris une petite lampe comme ça, parce qu'il m'a manqué une. 94 centimes. Alors, je vous montre vite fait. Alors, je vais essayer de lever un peu. Hop. Voilà, au fin fond de mes placards, j'ai retrouvé voilà, des petites boules comme ça en bois de l'année dernière. Je pensais que j'en avais plus. Donc, j'en avais. Donc, je les ai montées. Celle de l'année dernière, donc je vous montrerai ce que j'ai fait avec, et celle de cette année, je vous montrerai, je les ai pas fait, enfin, elles sont toutes détachées, je les ai toutes, j'ai mis de la pâte à texture dessus pour faire la neige, et quand je les aurai finies, je vous montrerai. Donc j'ai repris celle de l'année dernière, les supports que j'avais de l'année dernière. Voilà, j'ai fait de la pâte à structure dessus. Enfin, c'est de la pâte à reboucheur. Et chose, voilà, je suis en train de me dire de lire que quand je suis allée chez Action, c'était pour savoir si je suis allée, je me le suis oublié. Voilà, et à la lumière, vous voyez ça, je le mets derrière. Je l'intègre dans la boule pour pouvoir l'éclairer. Vous voyez, ça fait assez sympa. Bon, on ne voit pas là parce qu'il y a de la lumière, mais à l'intérieur, c'est tout lumineux. Donc, j'ai refait une comme ça. L'année dernière, je l'avais fait en tuto. J'en avais fait trois l'année dernière, je crois. Je les avais toutes, elles sont toutes parties. Elles ont trouvé acquéreur. Et ensuite, j'ai fait celle-ci.
On va lever un peu plus peut-être. Hein. C'est pour ça que j'achète ces petites lampes. Et là, c'est pareil. Hop, ça, c'est un modèle de l'année dernière. Hein. Et là, j'ai mis pareil les lampes à l'intérieur. Je ne sais pas si on voit. Pas voir trop. Et voilà, et c'est... Il y a des boules... Enfin, ça fait comme une boule de neige. Hein. Je trouve ça assez sympa de le monter comme ça. Que de le laisser en 3D... Ça prend pas trop de temps, c'est assez sympathique à faire. Je vous mettrai le tuto si vous l'avez pas vu, le tuto ici. Enfin, j'avais fait le tuto, mais sans la lumière. La lumière, je la rajoute derrière. Je la rajoute derrière. Je repose un rhodoïde dessus. Enfin, c'est pas rien de compliqué. Et je trouve ça original. Enfin, ça a fait au marché de Noël, ça a fait un succès. Voilà, alors il me faut préparer maintenant celle-ci. Je vais vous remonter un peu. Voilà, j'ai ces deux modèles à faire. Hein. Je vous montrerai quand je les aurai finis. Je les ai commencés, mais pas terminés. Voilà pourquoi voilà, j'ai repris une petite lampe parce qu'il me manquait une lampe pour refaire. Ensuite, une nouveauté. J'avais pas vu. C'est des sticker books. Enfin, la première fois que je vois ça, enfin, peut-être que c'est pas nouveau, mais pour moi, c'est nouveau. J'ai pris les trois modèles. Alors, pour pouvoir faire, alors je ne sais pas si je le ferai en vidéo. Moi, j'aime bien de temps en temps faire de l'art journal tout simple. Et je trouve qu'avec les stickers, là, ça va être assez sympa. Voilà, pour ne pas perdre de temps à tamponner. C'est déjà tout prêt. Alors, il y a des coloriages à faire dedans. J'ai vu. Voilà, il y a les stickers. Et derrière, il y a des coloriages où il y a des trucs à récupérer aussi. Voilà, si on utilise tous les stickers, il y a un moyen après de découper le reste. Il y a des tutos aussi à l'intérieur. J'ai vu qu'on pouvait faire... Allez, l'orange, il se compose comme ceci. C'est plus girly. Voilà, ça, on peut faire aussi de l'art journal, redécouper le personnage et en faire de l'art journal. Voilà. Ici, c'est sympa. Du coloriage. Hein. Voilà, là il y a une recette de chocolat, de gâteau au chocolat. Là il y a pour faire une carte en 3D d'un gâteau. Il y a plein d'idées, il y a plein d'idées de création aussi à l'intérieur. Qui peut servir, voilà, toute l'année. On peut faire des ATC aussi avec ces stickers. C'est sympa. Là, j'ai vu qu'il y avait des tutos aussi pour faire du dessin. Voilà, c'est une voiture, un petit camion. Des séances de yoga. C'est assez ludique. Hein. Là, ouais, j'ai vu que ouais, on peut faire des empreintes et après faire des petits personnages, faire des enfants, c'est sympa. Pendant les vacances, faire ça. C'est sympa pour le prix, hein, 74. Voilà, là vous avez des modèles d'écriture à reproduire. Hein. Voilà, pour celui-là, là pareil, vous avez pour faire des cœurs en feutrine. Hein. C'est sympa. Le vert, pareil, là c'est plus fleurs. Il y a des coloriages. Hein. Sympa pour faire des compositions de fleurs. Ouais, je connaissais pas coloriage tout sur le thème de la fleur. Là, il y a du feuillage que je vais pouvoir utiliser pour faire mes créations d'automne, de l'origami. Après, voilà, le modèle pour faire des fleurs. Et ensuite, le bleu. Le bleu, c'est surtout le thème bullet journal. Vous avez tout. Là, vous avez des idées pour faire des trackers. Voilà, la witch list de Noël. Celui-là aussi, il est pas mal. Il y a
des lettres. Modèle pour faire du muguet, une rose. On va prendre à dessiner. Il y a des stickers sur Noël, sur Halloween, j'ai eu. Sur Halloween, sur Noël. Sur la Saint-Valentin, sur Pâques. Un modèle château, les papillons. Sympa, il est sympa. Le bleu et le... J'aime bien, ouais, j'aime bien les trois. Moi, j'aime bien les trois. Alors, j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris un Papercraft à 1,79€. J'ai pris celui-ci. Les deux autres, ouais, j'ai pas... Ouais, non, ils m'ont pas... Si, il y en avait un qui... Le bleu, là, il était pas mal. Mais bon, j'en avais le même style. Je crois que j'en ai... Il me reste encore de l'année dernière. Et celui-là, je vais trouver les papiers. Voilà. Je trouvais les papiers assez sympas. Là. Du coup, j'ai pris celui-là. Voilà, j'ai une idée de créa à faire avec rien. Je ne pense pas le faire en tuto, mais peut-être que je vous le montrerai. Je vais voir si j'ai le temps. En papier, j'ai pris celui-là à 1,16€. Pour faire du 3D, là, il me faut faire des cartes, des coffrets de cartes, j'ai envie de faire. Et je trouvais sympa avec le petit renard, la petite souris. Thème animal. On va faire voilà, j'ai une idée aussi, voilà, de création, un petit lapin sur les animaux. Faire un coffret de cartes. Voilà pourquoi j'ai pris celui-là. Oui, pour les stickers, pour faire une sorte de mini belette à 1,99€, j'ai pris un cahier comme ceci. Et voilà, et je ne sais pas si je ferai des vidéos avec ces stickers. Je vais, voilà, je vais me le préparer parce que les feuilles sont fines. Je risque de voilà coller deux par deux les pages déjà. Et après, je ferai, voilà, j'aime bien moi faire des fois les petites créations. Je verrai, peut-être je vous ferai des vidéos. Je vais voir si j'ai le temps de le filmer. À 0,94€, j'ai repris. Je suis contente de les trouver, ces rubans, parce que je vais me servir du noir pour pouvoir faire mes boules de neige. Voilà, parce que j'en avais plus, je les ai toutes utilisées. Et voilà, j'en ai repris un paquet. Et ensuite, j'ai pris des cartes à 0,79€. Alors, j'ai pris ce modèle-ci, un peu crème, mais... Allez, pailleté. J'ai pris celui-ci, gris. Et après, du craft. Voilà, parce que je vais faire mes cartes de Noël. Du coup, voilà, j'ai pris ça. Voilà, pour All Action. Voilà, nouveauté, c'était ces petits stickers. Vous direz, pour vous, si c'est nouveau, toi aussi. Voilà, je vais faire la vidéo Noz après celle-là. Je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.